Hello, bienvenue à tout le monde dans cette nouvelle vidéo témoignage étude de cas. C'est Anne-Marie aujourd'hui qui vient de finir son parcours auprès de moi, qui a eu la gentillesse de venir nous partager voilà, ce qu'elle a ressenti, comment s'est passé ces quelques mois à mes côtés, et puis nous en dire un petit peu plus sur son parcours. Hello Anne-Marie, merci d'être là. Bonjour François. Du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement voilà, pour qu'on puisse te découvrir? Alors, Anne-Marie, 62 ans, des kilos en trop. Et ça va beaucoup mieux. Donc voilà, malgré l'âge certain, une hypothyroïdie. Et voilà, on a quand même réussi à faire un beau travail. J'ai énormément d'énergie en plus qu'auparavant. Et ça, c'est un bonheur. Et ça me permet de m'adonner à mes passions. Voilà. Non, mais c'est vraiment. Je me sens revivre par rapport à il y a 6 mois parce que franchement, j'ai la pêche, j'ai une énergie de folie. Chez les copains qui ne suivent pas, je veux dire, au point de vue sport, quoi. Donc, c'est bien. On va en parler de tout ça, on va en parler un petit peu. Je voulais rajouter un truc, François, c'est que pour mes tenues néoprènes, je suis passée du tel au L. Ça fait toujours plaisir. Et je sais Du faire mes XLOL, pas si je ne savais plus mettre. c'est ça que tu m'as dit, ça m'a un petit peu coupé. Oui. Yes. Bah, c'est Ah ouais, bien. très contente. Ok, c'est top. Mais justement, avant, ben voilà, là, il y a super, plein de choses excellentes. Comment c'était Je sais pas, c'était quoi ta situation avant que tu décides de me rejoindre en fait? Comment c'était quoi que tu vivais? Donc je suis en âge d'être en ménopause, donc ça j'ai pas vu clairement arriver parce qu'on m'a enlevé les pièces. Et puis il y a eu le Covid et j'avais pas mal de kilos Covid que là j'ai gommé. Ok, d'accord. Et ça te faisait vivre quel type de problème au final? J'achetais plus un jean parce que voilà, ce n'était pas le même numéro de jean de taille. Je n'avais pas l'intention d'acheter des vêtements à la taille au-dessus. Déjà, je déteste faire du shopping, donc c'était vraiment trop à rajouter. Mais je ne savais plus par quel bout prendre le souci. Donc, franchement, ça m'a guidée tout en douceur. J'ai bien aimé parce qu'il y avait la première solution, la première couche de solution qui était comment poser son assiette, avec des vidéos qui expliquent le pourquoi du comment. Mais en fait, moi, ce qui m'a vraiment débloqué, c'est travailler ce qu'il y avait en dessous. Yes, carrément. Bien sûr, mais ça justement, c'était dans peut-être des choses que tu avais vues avant. Est-ce que cet aspect-là du problème, tu l'avais déjà travaillé ou c'était une première fois? En plus, j'ai quitté Bruxelles pour à la campagne en Wallonie, et franchement, la vie est tellement différente. Puis je m'occupais de papa qui était en fin de vie, donc j'avais été tellement la tête dans le guidon avant ça que je me suis offert le programme avec toi pour justement un peu sortir la tête du guidon, quoi. Yes, ok, ouais, je Est comprends. arrivé au bon moment et j'ai adoré. J'ai appris à jeûner aussi. Je ne le dis pas toujours autour de moi parce que les gens me regarderaient et puis ils feraient des critères à la enfin des critiques inutiles. Et non, voilà, c'est arrivé au bon moment pour moi, pour ma vie. Et tu te souviens comment tu m'avais découvert? T'en rappelles Internet. plus? Ouais, je sais plus, c'était quoi? Ça faisait longtemps que tu me suivais avant qu'on parte ensemble, je me Bon, souviens ça plus. doit faire quelques mois, oui. Quelques mois, d'accord, ok. Et qu'est-ce qui a fait que bah, tu t'es dit, allez, je pars avec lui. Enfin, je sais pas, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de travailler avec moi? Alors, ce serait arrivé 3 mois plus tard, ça n'aurait pas nécessairement été toi. Mais à ce moment-là, j'étais. Je l'ai bien senti. Voilà. C'est pas très argumentable, mais je l'ai bien senti. Et je voyais bien que je n'avais pas affaire à un petit jeune blanc bec de 20 ans qui se dit, OK, je vais faire du business sur Internet, etc. Tu me paraissais authentique et confirme que tu l'es.
Ah, je le sentais bien, c'est tout un ensemble de petits trucs. Voilà, donc j'avais un petit peu regardé ce que tu faisais. Et je me suis fait un gros cadeau, en fait, Yes. après le décès de mon papa. Yeah, je me souviens de ça. Mais justement, Dis on a. plus Ouais. maintenant, je vais m'occuper de moi. J'ai fini de m'occuper de papa. C'est ce que tu m'avais dit lors de notre premier appel, je me souviens. Tu t'en souviens de cet appel? Comment ça s'était passé pour toi? Comment, qu'est-ce que tu en retiens? Oh, que je n'ai jamais eu de difficulté à te dire où étaient mes difficultés du moment, que tu as toujours, tu n'as jamais été jugeant, tu as toujours été positif et orienté solution, ça me convient à 100%, quoi. Donc, il n'y a jamais de jugement négatif, c'est beaucoup de. Ok, voilà, il se passe ça. Ok, comment on va faire pour débloquer la situation? Comment on va faire pour arriver sur un résultat qui nous convient davantage? Et j'ai très vite compris qu'il y a psychologiquement qui accorde beaucoup d'importance. Donc pour moi, c'est agréable, c'est très agréable. Et alors le groupe, je n'ai pas toujours été, j'ai été active et puis je suis seulement lue et puis je suis redevenue active. Mais ça, c'était parce que, voilà, bon, ça s'est passé comme ça pour moi, mais le groupe apporte beaucoup. Yes, oui, après le groupe, voilà, comme tu le sais, hein, il y en a qui participent beaucoup, d'autres un peu moins. Ça, c'est un peu chacun qui trouve son équilibre par rapport à ça. Mais effectivement, il est toujours là pour amener un petit peu de Oui, soutien, et moi, c'était d'énergie. plutôt. Période. Et il y avait des Ah oui. périodes où j'avais envie de dire et il y avait des périodes où, pardon, j'étais plus à observer ce qui se passait pour les autres dans le programme. Et ça ne voulait pas dire que j'en retirais des choses, mais en étant plus simple lectrice, quoi. Ok, d'accord. Et toi, tu as débloqué des choses pendant cet accompagnement. Qu'est-ce que ça serait quoi pour toi le truc principal que tu aurais débloqué? J'arrête de prendre sur moi, c'est fini. On en a pas mal discuté, ça. Oui, c'est vrai. Je m'en Dans tous souviens les bien. mondes. Ok, et tu as rencontré des difficultés, justement. Alors là, on a parlé des déblocages, mais est-ce qu'il y a des choses vraiment qui t'ont mis en difficulté, sur lesquelles tu as eu besoin qu'on échange pas mal? Alors, il y a eu cet aspect-là d'un peu d'arrêter d'encaisser et aussi de lâcher prise. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses aussi? Tu sais, moi, j'ai un caractère à ne pas retenir les difficultés. Je retiens, je mets toujours le phare sur le truc positif. Donc, alors, si tu me demandes des difficultés, tu me mets en difficulté, cher ami. Yes, bon, c'est ok, il n'y a pas de souci, mais je sais, ça serait, enfin, voilà, on a passé 6 mois ensemble, donc je sais comment tu es, une Oui, bombe de écoute, positivité, donc. ce que je trouverais bien, c'est que tu mets, je sais qu'il y en a plein sur Internet, mais justement. Sur Internet, c'est que tu mettes la recette du pain cétogène de François. Voilà. Ok, d'accord, ça roule. Ça Ok. serait, ce serait la cerise sur le Ok. gâteau. C'est une bonne idée. On va y Question de travailler, ça. prendre la tête. Bah, bon, c'est le tien, il y en a d'autres sur Internet, ok, mais au moins on en a tout de suite un qui est valide, quoi. Ok, ça marche, on va y réfléchir, ça va. Merci pour la petite, voilà, la petite idée, c'est cool. Du coup, comment tu qualifierais ton expérience au sein de l'accompagnement? De sortie du brouillard. Ok. Qu'est-ce que tu veux dire par là exactement? J'étais dans le brouillard dans ma vie, s'était passé beaucoup de choses, mais voilà, des choses qui s'étaient clôturées et j'étais un peu devant une page blanche et je ne savais pas dans quelle direction aller. Donc en suivant tes vidéos, ton programme, ça m'a sorti de ce brouillard. Ok, très bien. Et ça a changé. Ça a changé des choses pour toi dans ton quotidien, ça je le sais. Tu peux nous en dire plus sur ça? Virage à 90 degrés, quoi. Tu peux nous, voilà, peut-être nous donner quelques petites choses qui ont Nouveau changé pour cap. Écoute, je trouve que dans ton programme, on a beaucoup d'astuces pour. Et aussi dans les échanges avec les autres, pour présenter positivement et de manière à peu près inattaquable
la manière dont on se nourrit, la nouvelle manière de se nourrir. Mmh. Et ça, déjà, c'est un support incroyable parce que bon, maintenant, c'est tellement intégré que quand je me dis, tiens, oh, tiens, je prendrais bien peut-être un petit croissant aussi ou là, j'ai tellement bien martelé les choses à mon entourage que ça ne s'arrête pas, hein, y a même pas une pièce pour moi, quoi. Donc, c'est facile, quoi. C'est un cercle vertueux. Ok, d'accord. Ok, ça c'est un impact direct sur ton quotidien, tu dirais ? Ah oui, oui, ça a un impact sur mon quotidien, ça a un impact sur mon énergie. Et le fait d'avoir de l'énergie, ne plus être en chute de tension ou avec une batterie à moitié plate, ça change la vie, quoi. Enfin, imagine ta bagnole avec une batterie un peu poussive. Bien sûr. C'était moi il y a 6 mois. En bateau avec des voiles trouées, quoi. Ouais, des passoires, de la dentelle. Ok, donc tu dirais que ça, c'est quoi ton plus grand accomplissement là, pendant ces 6 derniers mois là. Je sais que tu as eu des résultats, notamment dernièrement, où tu as mis en place. Voilà, oui, tout à fait. Le poids pour moi n'est qu'un, et le changement de taille n'est qu'un symptôme extérieur du fait de. En fait, j'ai appris à prendre soin de moi, en fait. C'est pas juste. Je dirais que tu as un filou. Parce que là-bas, c'est « Oh, les nanas, vous allez mincir, vous allez pouvoir retourner dans vos vieux jeans. » Mais en fait, c'est un travail sur soi-même, pas que c'est sur l'assiette. Donc, tu as un film toi. Ben oui, parce que je sais que, voilà, mais après, bon, vous le savez, c'est aussi ce que je dis, même sur le groupe, sur les battantes et tout, mais la solution, elle ne peut pas être que dans l'assiette, ce n'est pas possible. Donc, il y a forcément des choses à changer en nous. C'est bien. Et voilà. Donc, c'est ce qu'on fait. C'est vraiment assez long parce que. En tout cas, moi, tu m'as attrapé par le bon bout. Ok, bah, en tout cas, ravi que ça ait pu. Voilà, que ça ait eu des impacts sur ta vie, quoi. Et que vraiment, voilà, quoi. Et justement, ces changements-là, est-ce que. Ouais. Pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Pardon. Je dis, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Je disais, il y a avant et il y a après. Yes, ok. C'est vraiment un virage dans la vie. Et justement, ce changement-là, cet avant-après, est-ce que, peut-être dans le regard des gens que tu côtoies, les plus proches, est-ce que tu le vois aussi, ce changement, dans leur regard ou comment ça a changé le regard des gens ? Maintenant, je m'en fous, mais complètement de leur regard. Avant, j'y étais sensible. Et maintenant, mais j'en ai, mais plus rien à F, 3 petits points. Plus rien à faire, on va dire. Ah oui, voilà, plus rien à faire, je cherchais le mot. Et par contre, les gens me disent franchement que en énergie, je suis intenable pour mon âge, donc je rigole. Ben, c'est top. Et comment tu vois la suite pour toi ? Ah, je vais te répondre. Tu me poses une question comme ça, je vais te répondre. Naviguer plus. Ah oui, ça c'est sûr. Comment je vois la suite ? Yes, comment tu vois la suite ? Maintenant que j'ai le relais, il n'y a plus que ça qui m'intéresse. Hein. Comment je vois la suite ? Je vois la suite comme étant impossible à faire marche arrière. Ok, d'accord. Oui, c'est bien parce dit ça. Parce que c'est vraiment implémenté dans ma vie. J'adore. Donc, ah ouais, merci j'adore. À toi. C'est ce que je veux, donc c'est ce que je veux vous amener. Donc, c'est merci à toi. Et merci au fait que quand j'étais 2-3 fois un peu perdue dans le programme, tu as donné la pistette, tu as tiré la pelote de la pour faire avancer. Et franchement, c'est génial. Et des fois, on est un peu dans le flou. Je dirais vers le milieu du programme, on peut être un peu. Plus trop s'y retrouver dans rien, parce qu'on sort quand même fort de ses habitudes de départ, eh bien, voilà, ça c'est fini, maintenant c'est implémenté, je ne serai même plus faire les courses comme avant, plus rien, je vois les gens manger d'une manière, par exemple,
Les gens au petit déjeuner, pain, un truc drôle. Moi, j'ai dit de ne me déjeuner pas, j'ai juste pris un café parce que je ne vais pas toucher à ces trucs-là. Confiture, enfin bon, bref. Il y a un gamin qui, hélas, est un peu rondouillé, et il va seulement avoir 13 ans. Donc, je les regarde un petit peu avec des yeux, mais je ne fais pas de réflexion tout haut devant tout le monde, surtout un gamin préadolescent. Mais c'est comme s'ils se trompent de carburant, quoi, dans leur bagnole, quoi. C'est dommage. C'est Et là, c'est... dommage. Mais chacun son chemin, chacun sa route. Et puis, moi, il m'a fallu 60 ans pour changer le truc. Donc, je suis pas là pour faire des remarques désobligeantes à des amis, quoi. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, Non. voilà. Ouais, ça... Et alors, un truc qui est... Ouais. Pardon? Un truc Vas-y. épatant, c'est que en suivant ta méthode, on est vraiment préparé à jeûner en ayant quasiment pas de soucis, quoi. Moi, je n'ai pas eu de mal de tête. Bon, je prenais mon petit café gras le matin. Ça, c'est une bonne petite triche, quoi. Qui fait qu'on fait 7 jours de jeûne. J'ai arrêté parce que je partais en bateau, que j'allais manger qu'il me fallait beaucoup d'énergie, que donc j'ai dit OK, petit déjeuner à l'anglaise, etc. quoi. Mais autrement, je serais resté à terre, j'aurais continué, quoi. Vraiment, inconvénient, rien. Et alors, les gens m'invitent à rester souper chez eux et tout, puis je leur dis non, je ne sais pas, j'ai déjà des trucs de prévu. Attends, je rentre à la maison, je me fais un thé. Je me fais un thé. Bah. Mais t'as trouvé ta façon de vivre le truc et c'est aussi ça qu'on va aller chercher. C'est Ouais, aussi que toi aussi tu trouves, il n'y a pas un truc qui va à tout le monde en fait. On est obligé de trouver notre propre façon de pratiquer, d'être dans un nouveau mode de vie et ça, ben, c'est par l'expérience que ça s'acquiert. Hein. Personne ne peut te l'enseigner, on peut te guider. Moi, ce que j'essaie de vous faire, hein, vous guider sur ce chemin-là, mais. Effectivement, après, c'est chaque personne qui trouve son propre rythme à elle, le truc qui lui convient. Et c'est pas évident parce que finalement, après 60 ans, il y a quand même toutes les hormones qui jouent. Ça a bien marché, quoi. Mais franchement, maintenant le poids, je m'en contrefiche parce que j'ai gagné bien plus. Alors, c'est facile de dire je m'en contrefiche du poids quand on est passé une taille, même presque deux tailles plus bas, mais il y a tellement bien plus que ça, que c'est tellement plus riche que ça, quoi. En termes de bien-être. Parce qu'être mince pour être mal dans sa peau, je ne vois pas l'intérêt, quoi. Complètement, tout à fait. Il y en a qui Non, mais sont tout un à peu et qui ne sont pas heureuses, hein, donc. fait. Bien sûr. Ok, pour ça. Et toi, voilà, dernière question, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à vraiment franchir le pas, à se dire, ben voilà, j'investis en moi et je me lance dans cette aventure-là? Je ne sais pas. Je suis en train de me dire, c'est comme de dire à quelqu'un qui est en train de fumer, arrêter de fumer, tu vois. Je crois que si les gens. Je crois que le plus important, c'est de prendre la chance de miser sur soi. Voilà. Yes. OK. Bah, je suis 100% d'accord avec ça. C'est pour un bien-être. Et en plus, bon, non, si vraiment le financier est un souci. Avec tout ce qu'on n'achète pas comme saloperie, franchement. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais oui, effectivement. On économise aussi Ben sur... les personnes qui te disent que c'est quand même cher, je crois que tu peux les relancer en leur disant, écoutez, faites le compte de vos dépenses pour la nourriture, pour des choses qui ne sont pas excellentes pour vous. Enfin, faites le compte des dépenses pour la nourriture, simplement, on y évite, hein. Complètement, non, c'est vrai, c'est pertinent à fond, c'est clair. Ok, ben merci en tout cas pour ce partage, Anne-Marie. C'est vraiment merci d'être prêté au jeu, Ce quoi. fut un plaisir, François, vraiment. Vraiment, moi, en tout cas, ça a été un plaisir ces 6 mois à tes côtés. Bon, tu es toujours, tu le sais, vous restez toujours dans l'environnement, sur le groupe, etc. Même après, donc on n'a pas fini d'échanger. Bon, j'attends ta recette, hein, François. Je vais y travailler. Enfin, tu fais du pain régulièrement? Non? Ah, ça a déconnecté, Ah, pardon, j'ai pas ah, entendu la fin de ta phrase.
J'ai pas entendu la fin de ta phrase, ça a déconnecté. Tu m'entends? Ah bah je sais pas où ça a déconnecté, donc voilà. J'ai entendu, il faut que tu nous fasses ta recette de pain, François, et après ça a déconnecté, donc j'ai pas entendu la suite. Rien de grave. Voilà. Merci Anne-Marie, en tout cas, Bonne pour tout ça. continuation. Merci, bah, toi aussi, bah, Et toi, bon, que tout se à passe vite. pour le mieux pour ta petite famille. Ta gamine est adorable. Ah oui, c'est vrai que oui, vous l'avez vu plusieurs fois. Ouais. Venu passer. Allez! Au revoir Anne-Marie, merci beaucoup. Bon vent! Toi aussi. Salut! Ciao.